Yo tout le monde, on est parti sur le troisième épisode sur Pokémon Noir 2 en Nuzlocke Challenge. Donc on va se parler aux deux autres. Ok, lui. Elle, elle dit, est-ce que t'as bien entraîné ton Ponyta? Voilà, donc on commence par soigner notre équipe. Donc j'ai pas tellement XP que ça. En fait, c'était tellement long que j'avais la flemme. J'ai monté d'un niveau, je crois niveau 13, voilà, on est. Mais on verra. Normalement, faut parler au vieux là. Oh, t'as pu te donner sa carte à ton ami. Mais dis donc, la dernière fois remonte, il n'y a pas 3 secondes et pourtant, ton équipe est 3 avait énormément changé et appris. Oui, c'est sûr, on a 3 Pokémon de plus. Non, 2. Oui, 2. Bon, pas d'entraînement pour vous en fin de compte. À place, vous allez me rendre un petit service. D'accord. Monsieur Gonia, c'est cette personne qu'on doit entraîner. Mais ça a l'air d'être un dresseur super balèze. Je n'en doute pas, mais même en perdant, on apprend. L'essentiel, c'est de profiter des combats Pokémon, je vous le répète suffisamment, non. Lunar, à toi. En fin de compte, c'est à toi qui veux entraîner le petit. Je vais te montrer comment. Pokémon le plus super. Là j'ai plus l'avantage de la pluie donc. J'ai l'avantage du type. Normalement ça va me faire full XP ça. Ok griffe. T'as un Pokémon assez lent Cookie Master. Mais t'as le pouvoir du cookie en toi. C'est vraiment bien, Cookie Master, tu as le pouvoir du cookie. Vous avez été incroyables tous les deux. Bon, et maintenant... Oui, monsieur. D'abord, je dois soigner Kilté Lunar. Ok, les affinités de type. Donc là, si j'ai bien compris, c'est un feuillage ou... Ouah. Je vous jure que j'ai pas regardé sur un seul usage. C'est juste que je me suis dit, bon j'ai un Pokémon haut, donc le premier c'est un Pokémon dont j'ai l'avantage de type, le second ça va être un Pokémon dont j'ai le désavantage, et comme il n'y a que 3 singes haut, feu et plante, je me suis dit c'est le singe de plante, donc feuillage haut. C'est juste par logique, bon et puis Pokémon, parfois il y a... pas trop de problèmes de logique. C'était vraiment un combat époustouflant. Sentez la joie des Pokémon. Alors, Lunar, les Pokémon c'est très important dans les combats prévus. Le type eau est fort contre le type feu est fort contre le type plante. Mais ça ne veut pas dire que les types font tout dans un combat. Mais, si le type d'un Pokémon c'est le même que celui de la capacité à lui. Ben, cette capacité sera très très forte. Bravo à tout le monde, c'est le moment de vous guérir. Ok, encore soigné. Je crois qu'en fait, s'il soigne toutes les 2 secondes, j'aurais pu faire un mashup. Noël. Mais bon. Ouah. C'est quoi ces habits? Bonjour, je ne sais, nous ne nous connaissons pas. Tout cela est très soudain, mais prends ceci sans rien dire. Une boîte métal. Je m'appelle Aimé Dalion. Je demande à tout à l'heure. Aurais-tu entendu parler de la chasse aux médailles? Non. Vraiment. Alors laisse-moi t'expliquer. Ça me fait tellement plaisir. Puis c'est une obligation contractuelle. La chasse aux médailles est une compétition sanctionnant certaines actions de mes soeurs. Pour te féliciter d'y prendre part, voici une première médaille. Et pour faire bonne mesure, une pincée de médaille indice. Tant que j'y pense, lorsque tu as rempli les conditions d'obtention de certaines médailles, passe un tour dans ce Pokémon. Ton brave aimé sera là pour te remettre ce que tu mérites. En tous les cas, utilise la boîte médaille et pense à vérifier le contenu. Très vite. Je sais pas du tout.
C'est sûrement une nouveauté de Nord 2 en fait. Tu sais, il y a une nouvelle arène à Pavonec. J'ai aussi entendu que son champion était arrivé. Essaye de te frotter à lui si tu veux connaître ton niveau. Ok. Avant, j'aimerais voir. Ok, j'ai frustration, mais c'est pas terrible. Ok, boîte. Ok, aucune rue. N'oubliez pas de sauvegarder souvent. Mais aucune route n'est tracée devant vous, vous la tracez vous-même en avançant. Donc ça, je pense à un certain nombre de pas. C'est vos Pokémon. Ok. Sauvegarder, soigner les Pokémon, on n'abandonne jamais un combat. Aiguisez votre sens du combat en... Ouais, pourquoi ne pas collectionner toutes sortes de Pokémon grâce aux échanges. Link... D'accord. Donc, attends, je vais pas sauvegarder s'il y a un problème d'enregistrement. Je vais faire une bêtise. Par contre, on va essayer sur le centre Pokémon quand même. Même si on est soigné. Ok, soigner notre équipe. D'accord. Bon, c'est un peu lent. Ok, faut essayer d'atteindre 50 médailles obtenues. Les dresseurs des autres Pokémon possèdent peut-être des Pokémon qui n'existent pas dans le vôtre. Pourquoi ne pas collectionner tout en deux? Aiguisez votre sens. Ok, donc ça c'est pour l'Honor Ball. Ouais, d'accord. Bon, je pense pas que je vais les faire parce que ça a l'air long et chiant. Surtout que les défis n'ont pas l'air très très intéressants. C'est plutôt que la moitié sont sur des combats Ling et... Puis j'ai pas d'amis, moi. J'ai pas d'amis. C'est triste, non? Non, je plaisante. Ok, donc là... Je fais n'importe quoi, d'accord. J'aimerais quand même qu'on se fasse un petit peu... qu'on avance un petit peu dans l'aventure, quoi. Pas qu'on se fasse juste des... On aurait pu obtenir l'arveillette. Ouais... Alors, entre le tournegrain et l'arveillette, lequel j'aurais préféré? Je sais pas trop. Ah non, le type insecte, ça devient super cheaté, je crois, en 5G. Là, c'est la génération où c'est cheaté. Insecte. Ouais. Et lui, je sais pas du tout. Hein. Cette Pokéball, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est avec Surf, mais je voudrais pas dire de bêtises. Mais je vois pas cette arène. Elle est où cette saleté d'arène? Lol. J'avais oublié quelque chose d'important. Et c'est important ça? Ce sont des baies orange. Donne-en à tes Pokémon pour restaurer des PV. Truc de dresseur aussi si tu... D'accord. D'accord. Bon. Je sais que je fais pas grand chose, mais... Je vais les donner, les Béorins. Surtout au Pokémon que j'utilise, c'est-à-dire Cookie Master.
Tu risques d'en avoir peut-être besoin dans le futur, donc on ne sait jamais. Je crois que c'était à la première ville. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu qu'il y avait une arène. Peut-être que j'ai de la poudre dans les yeux. Hein. Ok, là c'était notre première rencontre. Oh non, j'ai pas envie de me faire tout ça. Allez, mais c'est où la reine? Ok, elle est là, la reine. Génial. Ok, donc en fait... Mais en plus, pourquoi ils en font des si gros? Ok, d'accord. Je pense que il y a l'école des dresseurs auquel il faut que j'aille. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, mais où est-ce? Attends, qu'est-ce que quoi? Ok. Ok, tu trouves plus l'objet. Ok, d'accord. Là-dedans, non? Ok, d'accord. Bon. Bon, en fait... Ouais, non. Il y a... Ok, non. Non. Ok, bon, on va se faire la reine. Je pense que vous attendez que ça passe super patiemment, donc... Allez, on va se la faire. Place aux jeunes, d'accord. Ok. Ok, défense plus. Alors, en Nuzlocke, c'est pas du tout utile, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser des objets en combat. Ah, Ryulu, ouais. Dans le... Quand je m'entraînais, j'ai vu un Ryulu. Donc on aurait pu tomber sur un Ryulu dans la zone. Bon, tant pis. On a eu un Ponchin, je crois, à la place. Non, ça ira. De toute manière, on a Cookie Master. Je suis le guide des arènes et je m'appelle Guido. Merci de ta visite aujourd'hui. T'en célébrer ça. Tiens. Au frais, j'ai 60 points de vie. D'accord. Un challenger. Ok, d'accord. Les préparatifs, d'accord. À vos postes. Ok, je dois battre les deux dresseurs avant de le battre. D'accord. Bon, j'espère que ça sera assez pour que je monte... Ah oui. Oui. J'ai... obligatoirement besoin de monter... évoluer, quoi. Surtout que si c'est comme l'arène de type normal de l'autre génération où il utilise... vengeance, boum, sur mon Pokémon, je crève... Hors de question, quoi. Ok, pistolet à eau. Bon, gros yeux, c'est mal placé, hein. Si t'avais envie de jouer Poncho en gros yeux, t'aurais dû le mettre en première position. Ton attentif m'aurait fait légèrement plus mal. Ouais, 9 points de vie. Ça aurait pas été terrible. Attendez, je peux pas me mettre juste devant comme ça, non. Non, il faut que je lui parle. Ouais, donc j'aurais pas assez pour faire. C'est bête ça. Pas prévoir assez d'expérience. Ok,
plutôt là-haut. Ok, d'accord. Non, franchement, faut que j'évolue parce que là... Si Cookie Master perd face à la première run, j'ai perdu, donc c'est mort, quoi. Vaut mieux que Cookie Master apprenne à cuisiner, parce que sinon, ça risque d'être dur. Pour cuisiner, faut beaucoup d'entraînement. Et donc, entraînement pour évoluer en super cuisinier. Ouais, c'est ça, il me manque... Il me manque pas mal de... trucs, quoi. Il me manque un niveau et quelques points d'expérience. Donc, je suis largement en dessous, quoi. Je suis en dessous de... du truc, bah... Du coup, on va se laisser là. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, regarder les autres vidéos. Encore merci et bye.